Premier secrétaire du comité insurrectionnel vous parle. Le comité insurrectionnel a tenu sa deuxième réunion de 12h à 14h. Tous les membres étaient présents. Vu l'urgence qui a doté rapidement la République d'un appareil exécutif, le comité a décidé de faire appel à M. Nicolas Gruniski pour former un gouvernement provisoire. C'est un communiqué aussi laconique, diffusé aux premières heures de la matinée de dimanche, qui a pris aux 1 440 000 habitants de la jeune République du Togo qu'un coup d'État militaire s'était produit dans la nuit et que le président de la République, Sylvanus Olympio, avait été assassiné. Les putschistes, les voici. Ils sont près de 700 comme lui, anciens paras, anciens de l'infanterie de marine, vieux serviteurs de nos troupes coloniales. Ils sont revenus au pays pensant reprendre du service dans l'armée togolaise. Mais hélas, le président Olympio ne s'intéressait pas plus aux problèmes militaires qu'à ceux des militaires. Il ne voulait pas compromettre l'équilibre de son budget, disait-il, un budget difficilement atteint après une très longue période d'austérité. D'ailleurs, une armée, il en avait une, la compagnie d'infanterie togolaise commandée par le commandant Kléber Dadjo. Et dans le fond, ce vieux baroudeur se sent, disons-le, très prof de ceux qui furent à ses côtés, à Koufra, à Cassino ou ailleurs. Et alors il essaie d'intervenir auprès du président Olympio. Le commandant Dadjo et moi avons été, mercredi dernier, pour voir le président de la République. Donc quatre jours avant sa mort. Quatre jours avant sa mort, il a été vu par le commandant Dadjo, le lieutenant Sylla. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui a mis au courant que la situation s'est détériorée et que les anciens militaires étaient mécontents et qu'il fallait trouver une solution radicale. Pour les réintégrer dans l'armée togolaise. Pour les réintégrer non seulement dans l'armée togolaise. Non seulement ces militaires ne veulent pas, du moins ne demandent pas à gagner la solde que la France leur payait, ils cherchent simplement à être casés. Soit dans les forêts, dans la gendarmerie, aux polices. Avoir du travail, en un mot. Et quatre jours plus tard, à l'aube de ce dimanche 13 janvier, les anciens combattants prenaient le pouvoir. Tous les ministres sont faits prisonniers, sauf deux qui s'enfuient au Dahomey. Et en fait, il n'y a pas eu effusion de sang, à dehors de malheureux histoire de notre vénéré président. Malheureux en ce sens que, au départ, il ne devait pas être tué. Vous deviez l'arrêter simplement. Il devait être arrêté simplement, mais c'est le président qui a tiré le premier coup. Coup de revolver. Et puis il y a eu la riposte immédiate. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux, disent les Togolais, qui sont des gens particulièrement paisibles. Et il est certain aussi que cette mort hypothéquera lourdement l'autorité morale de ceux qui l'ont avalisée. Cette maison était celle de Sylvanus Olympio. Il s'y trouvait le soir de sa mort lorsqu'on vint le chercher pour l'arrêter. Trahi par son armée, abandonné par sa police, il cherche un refuge chez son voisin, l'ambassadeur des États-Unis. Les deux maisons sont adjacentes. Il avait 4 mètres à franchir, et alors qu'il poussait cette porte, aujourd'hui ouverte, il reçut 3 balles dans le dos. Il a été enterré mardi après-midi au Dahomey, son pays d'origine. Il y avait là sa femme, sa mère, sa fille, ses fils, et quelques-uns de ses 54 frères et sœurs, et aussi son père, qui devait mourir quelques heures après son enterrement. Le président du Dahomey, M. Merbaga, était là, et peut-être pensait-il au destin étrange de son ami, originaire du Dahomey, qui fit une longue carrière politique au Ghana pour finalement mourir assassiné comme président de la République du Togo. Et maintenant, Sylvanus Olympio avait rêvé de faire de son pays une Suisse africaine, mais en fait, pour éviter d'avoir des ennemis, le Togo n'avait que peu d'amis. Mais si les leaders africains, soucieux d'unité, déplorait l'absence du Togo, de l'Union africaine et malgache, du Conseil de l'Entente et de la plupart des grandes organisations africaines, il ne pouvait qu'admirer la sagesse économique du président Olympio. M. Gruniski, installé à la tête du gouvernement provisoire par les militaires, sait tout cela. Résistera-t-il? Eh bien, nous le verrons.